Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit hier, unboxing haul, voilà. Haul Bergère de France. Donc on va faire un unboxing. Je vais vous ouvrir le colis avec vous. Enfin, j'ai déjà ouvert le colis parce que le colis était bizarre à l'extérieur. Donc j'ai ouvert tout de suite pour voir qu'il ne manquait rien, qu'on n'avait pas volé quelque chose dans le colis, parce que je trouvais bizarre, il y avait plusieurs sortes de scotch sur le dessus, et j'y mince. C'est trop bizarre, vous voyez. Il y a du scotch marron, il y a du transparent, donc il y avait du transparent dessus, puis il y avait encore du comme ça, du scotch craft. C'était trop bizarre, et puis en plus ce carton était abîmé. Bon, c'est pas Bergère de France, hein, c'est transporteur, hein, vous voyez. Et c'est bien Bergère de France, vous l'avez vu à l'envers. Mais bon, alors, j'ai cru que mon colis n'allait jamais arriver. C'est pas de la faute des transporteurs non plus, ça, la faute de la boutique. Alors, ils me disent qu'en ce moment, ils sont débordés de commandes. Tant mieux pour eux. Surtout Bergère de France, parce que bon, ils sont passés par des moments difficiles, hein. Il y a été un moment où ils étaient presque à la fermeture de la société. Donc là, ils commencent à remonter. Là, bon, ils m'ont dit au téléphone qu'ils étaient débordés par les commandes. Et puis, il y avait eu les jours fériés entre deux. Donc, bon, voilà. Donc, ça a mis 10 jours pour arriver. J'ai une deuxième commande qui doit arriver. Bon, elle n'est pas arrivée non plus. Et sur le site, alors, ce qui est bizarre, c'est que celle-ci est toujours en cours de traitement, alors qu'elle est arrivée. Et la deuxième commande que j'attends est marquée terminée. Voilà. Donc bon, on verra bien. Peut-être que demain j'aurai un autre colis ou alors lundi, on verra. Ah, je suis allée dans ma pièce en haut. Il fait froid. Bon. Alors, ce qu'il y a dans ce colis, c'est pour m'affaire des pulls pour chouchou. Enfin, deux. Hein. Enfin, on va faire une dizaine hein, quand même. C'est pour faire deux pulls à chouchou. Donc, je vais vous montrer ça. Et le deuxième colis que j'attends, c'est pour faire. Alors c'est une petite commande que ma petite fille m'a passée. Alors c'est un drôle de. J'aurais pu vous redire le nom. Elle veut un gilet, mais vous savez, c'est les gilets courts qui arrivent en dessous des lolos là. C'est un nom. Elle m'a dit le nom, mais je saurais plus vous le redire. Bon, peut-être que vous savez. Enfin bon, c'est un gilet court. Alors moi j'avais des modèles. Tous les modèles que j'avais, c'était avec des manches courtes ou trois quarts, mais elle veut des manches longues. Donc, le modèle que j'ai trouvé qui lui plaisait, je vais devoir le changer un petit peu. Je vais rallonger les manches, mais ça, c'est pas très grave. Donc dans le colis que j'attends, ce sera pour faire son gilet. Voilà. Et puis, à la base, elle voulait du bleu layette. Et ça s'est fini par un blanc, je crois que c'est un blanc cassé que j'ai pris. Ouais. Voilà. Bon. Enfin. Ben, ça a été difficile parce que le modèle sur lequel on s'est arrêté, c'est un modèle de la marque, alors si je me trompe pas, Plassard. C'est une boutique de laine aussi. Je crois que c'est Plassard. Qui vendent de la très belle laine également. Et moi, j'étais prête à acheter la laine, puisque c'est moi qui achète la laine. J'étais prête à acheter la laine du modèle, mais sa maman, quand je lui ai montré la laine, elle a vu le prix. Elle a fait ça à panne, non? Donc ma belle-fille, non, 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 elle dit, tu vas pas lui acheter de la laine à ce prix-là. Non, 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 non. Elle voulait que j'achète de la laine donc ordinaire chez Ice, enfin la laine, vous savez, qu'on fait revenir de Turquie là.
ou alors Zeman, mais bon, Zeman, j'aurais pas trouvé ce que je voulais. Et c'est les Len Ice. J'avais trouvé ce que je souhaitais. Mais alors maintenant, quand on achète à l'étranger, les frais de port et la TVA sont comptés, hein, mais en même temps, ça a augmenté. Donc ce n'est plus si intéressant que ça d'acheter ces laines là vu la qualité. Bon, c'est la bonne qualité, voilà, par rapport à Bergère de France ou Fil d'Art, ça n'a rien à voir, mais je veux dire par rapport Zeman, Action, tout ça, voilà, bon, c'est le même style. Quand j'ai voulu passer la commande, donc il y en avait pour 13 euros, je crois, de laine, avec la TVA et les frais de port, j'arrivais presque à 40 euros. Donc là, c'est moi qui ai dit à ma belle-fille, non, 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 je prends pas là. Si c'est pour donner les trois quarts de la somme juste en frais de port et en TVA, en taxes, donc non. je vais aller voir chez Bergère de France. J'ai des laines pas exorbitantes, ce sera de la qualité, la meilleure qualité, et puis de toute façon c'est moi qui paye. Donc un pout pout. Bon, ils voulaient pas quand même que je prenne la Plassard, mais bon, avec la Plassard, son petit gilet, il serait revenu environ à 65 euros. Donc, mais bon, elle a pas voulu. Elle a voulu que belle-maman fait des économies. Bon, mais c'est vrai, bon, pour aller au collège, tout ça, elle aurait peut-être eu mal au cœur d'abîmer son gilet à ce prix-là. Mais bon, donc ça, on en reparlera. Je vous montrerai avec le prochain colis. Et puis hier, j'ai craqué chez Fil d'Art. Bon, en ce moment, voilà, je suis laine. J'ai craqué chez Fil d'Art. Bah oui, c'est Black Friday, hein, c'est ça. Alors, Black Friday, vous n'avez pas encore vu la laine, hein. J'ai fait mon petit papier. Black Friday, chez Bergère de France. Donc, c'est pour ça que je me dépêche de faire la vidéo. Je me dépêche de vous la mettre en ligne pour que vous puissiez aller profiter du Black Friday sur Bergère de France. Les promotions vont jusqu'à moins 70%. Et c'est jusqu'au 28, minuit, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y aura une prolongation. Et vous avez les frais de port, donc ça, c'est toujours, par contre. Les frais de port sont gratuits à partir de 49 euros, voilà. Donc, dès que vous dépassez 49 euros, vous ne payez pas les frais de port. Mais là, avec le Black Friday, voilà, l'accent pourri, vous allez jusqu'à moins 70%. Mais du coup, j'ai dit, vu la longueur de temps pour recevoir ma commande, là, que j'ai eue en ce moment, j'ai préféré repasser une commande chez Fil d'Art. Alors, Fil d'Art, Black Friday également. Par contre, les promotions sont plus petites. C'est 25% sur tout le site. Ouais, vous voyez, je vous fais un truc Bergère de France, et je vous parle de Fil d'Art, mais bon, c'est en même temps, pour que vous puissiez en profiter. C'est moins 25% sur tout le site, jusqu'au 29. Voilà. Bon, voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, Chouchou, lui, il n'est pas difficile. Il veut du simple. Donc, excusez-moi. Lui, il veut du simple. Donc, c'est pas de la laine froufrou, tout ça. Enfin, quand je dis froufrou, je savais bien que je vais pas acheter des froufrou à Chouchou, hein, souci. Il m'envoie balader. Ça, c'est quoi? C'est ma facture? Oui, c'est ma facture. Voilà. Alors, ça, c'est les bouquins. Je vais vous en parler après. Alors, je vais lui faire deux pulls. Je vais vous montrer les photos après. Donc un premier pull. Alors, j'ai un paquet de 10 pelotes d'abord.
Excusez-moi, j'ai un coup de barre là. Pourtant, il n'est pas tard, il est 14 h. C'est le coup de barre. Alors, 10 et 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en tout, 15 pelotes. Voilà. Alors, je vous montre. Voilà. Vous allez voir à l'envers, mais c'est la couleur que je vais vous montrer. Et l'épaisseur, vous voyez. Donc, c'est la couleur que je ne me trompe pas. Ben, ça doit être marqué dessus. Galet, c'est de la bas, pas parisienne, la barisienne avec un B, barisienne 7. Elle se tricote en 6 et demi. Donc c'est couleur galet. Donc crochet ou aiguille, ce sera du 6 et demi. C'est marqué chenille. Il est temps que je retourne chez l'ophtalmo, moi. Alors, c'est des pelotes de 50 grammes, voilà, qui font 80 mètres. Et niveau nettoyage, alors, 30 degrés. Donc là, ils mettent pas de détergent, enfin, de javel, tout ça, ça, on s'en doute, hein, bien sûr. Bon, le séchage à plat et pas de repassage, voilà. Et vous pouvez faire un nettoyage à sec au pressing. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire là-dessus? Oui, ça, c'est de la 100% acrylique, donc c'est pas de la laine, mais c'est de la 100% acrylique. Mais elle est douce, hein. Oh, qu'elle est douce. Donc c'est fabriqué, Bergère de France, bien sûr, c'est 100% fabriqué en France. Voilà. Donc celle-là, c'est la galée. Et la galée, c'est pour faire ben, le modèle, je vous le mets là, ici, tout de suite. Voilà, donc vous avez vu le modèle que je vais faire avec. Donc oui, il va y avoir un point spécial. Donc le point spécial, il va être expliqué dans le catalogue. Je sais même pas. Alors j'aime bien parce que je l'ai pris, j'ai vu le dessin, mais je ne sais pas le point. Alors non, ça c'est dans le catalogue, il y a des pages françaises et des pages pas françaises. Alors j'aimerais bien tomber sur les pages françaises. Alors, c'est pour vous dire quel point. Voilà. Alors, point employé. Alors, il y a des cotes 1-1. Donc là, on va tricoter donc avec du 5,5 et du 6,5. Et le point fantaisie va se faire sur un nombre de mailles divisible par 4 plus 2. Oh, des mailles croisées à droite. J'en ai jamais fait. Hein? Je n'en ai jamais fait. Eh ben, on va regarder une vidéo. Hein? Que voulez-vous? Ce sera l'occasion. Mailles croisées à droite. Ouais. Bon. Eh ben, on regardera une vidéo. Ouais, on espère y arriver. Bon. Donc voilà. Donc c'est jersey en droit. Après, c'est du jersey en droit et des mailles croisées à droite. Voilà. Bon. On se fera un petit échantillon. Si on n'y arrive pas, on fera un autre point. Mais bon, je pense pas que ce soit compliqué. Donc voilà, donc celle-là de laine, alors je l'ai eu à quel prix? Alors, pas 15. Ah ben, j'ai pas le prix. J'ai le prix total, donc je vais vous mettre en dessous le prix à l'unité.
que là, j'en ai eu pour 27,30 € pour la totalité, pour ce pull. Et donc, je vous remettrai, donc divisé par 15, je vous remettrai le prix au détail en bas. Ensuite, pour le deuxième pull, donc c'est la même laine, mais pas la même couleur. Donc, c'est de la... alors, c'est de la Barisienne également, 7, bleu marine. Alors, ici, ça va être un peu spécial. Enfin, un peu spécial. Non. C'est un pull très facile, puisque là, ça va être des côtes, jersey, hop, terminé. Seulement, le modèle que Chouchou, que je lui montre à Chouchou, que j'avais choisi pour lui, c'était, il fallait plusieurs couleurs. C'était des lignes. Il y avait des grandes, des petites, des fines, des moins fines, etc. Et elle dit, oh non, je veux pas de lignes. Chouchou voulait pas de lignes. J'ai dit, bah, je te le fais en uni. Fait oui. Alors, comme il y avait plusieurs couleurs sur le pull, je vous remets la photo, là, quelque part. Je lui dis quelle couleur tu veux. Le gris, je vais dire pas le blanc, hein, bien sûr. Tu veux le gris, le bleu marine? Il fait ouais, bleu marine. Bon, ben alors on va le faire en bleu marine, hein. Voilà. Donc, ce sera cette couleur-là. Donc, c'est la même épaisseur. Ce sont exactement les mêmes caractéristiques. Donc, toujours en 6,5. Toujours de 50 grammes pour 80 mètres. Voilà, Barisienne 7, bleu marine. Voilà. Alors là, par contre, j'ai une pelote en plus. J'en ai pris 16 et je j'ai pu le souvenir si j'ai pas pris une pelote en plus pour chaque modèle. Je ne sais plus. Et là, je vais lui faire les pulls en XL, si je ne me trompe pas. Sauf que je vais lui remesurer les bras parce qu'il est plus petit que moi, donc les bras sont plus courts. Il a les bras un peu plus courts. Et il fait 1m65, moi je fais 1m70. Donc je vais quand même remesurer ses bras pour adapter, pour pas qu'il ait les manches là au milieu des doigts. Voilà, et je vais le faire en XL parce qu'il y a le petit coussin d'amour là. Et oui, arrivé à un certain âge, le petit coussin d'amour est là. Donc, et comme je veux pas qu'il soit étriqué dedans. Donc voilà. Donc, pareil, hein, je ne t'ai pas montré, mais j'ai un paquet de 10. Voilà, j'ai un paquet de 10 également pour celui-là. Et donc, une, deux, trois et six pelotes en plus à part. Voilà. Donc, voilà pour la commande de laine. Ça sur le côté, donc celle-là pareil, c'est 29,12 € pour la totalité. Ah, bah si, j'ai le prix unitaire, je n'avais pas vu. Alors 1,82 € la pelote. Voilà, donc celle-là, c'est la, elle est pas chère. Hein. Bah, c'est la moins chère, hein, je crois, la Barisienne sur Bergère de France. Donc voilà. Ça, c'est quoi? Ah ben, c'est ma fiche retour, si jamais je renvoie quelque chose. Alors, j'ai eu en cadeau mini-catalogue. Il y a 9 modèles dedans. La collection capsule. Voilà, je vais vous remettre la photo également, hein, pour que vous l'ayez à l'endroit. Donc, dedans, il y a 9 modèles. Et avec 2 nouveaux fils hiver, Louise et Sophie. Voilà. Dedans, il nous montre sur les 2 premières pages la fabrication de la laine, voilà, Bergère de France. Ensuite, il nous présente les 2 nouvelles laines, voilà, Louise et Sophie, donc avec tous les coloris. Il nous explique également les caractéristiques.
Alors, la Louis, c'était un fil mèche brillant. Voilà. Et la Sophie, c'est un fil fantaisie légèrement bouclé. La première est en acrylique laine polyester, la deuxième est en laine acrylique polyamide et alpaga. Voilà. Et ensuite, il nous montre les modèles. Et ça, je vais vous faire une deuxième vidéo pour vous montrer les deux livres, pour vous montrer les deux modèles. Les deux modèles. Il y en a plus que deux. Voilà. Après, il nous explique. Alors, à la fin. Alors, bien sûr, il y a toutes les explications. Donc ça, oui, c'est la collection capsule. Et un petit mot à la fin, l'hôtel du département de la Meuse, où Bergère de France fait ses remerciements, voilà, pour au département, sûrement pour... je sais pas, il faudrait que je lis tout le texte. Donc voilà, donc ça, j'ai eu en cadeau. Je sais que je vais l'avoir en cadeau normalement dans le deuxième colis. Et alors, j'ai acheté un catalogue. Alors lui, il faisait combien? Tic, 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 tic. Allez. 3 euros. Voilà, je l'avais eu à 3 euros, pas cher. Parce qu'il y a le modèle, celui avec le point fantaisie dedans. Voilà. Donc, c'est le spécial barisienne. Donc, Bergère de France barisienne. Donc, avec les barisiennes 7 et 12. Donc, il y a 18 modèles. Donc là, vous n'avez qu'une seule sorte de laine dans ce catalogue. Et les modèles sont en plusieurs langues. Si je ne me trompe pas, c'est bon, bien sûr en français, en néerlandais et en alors UK c'est quoi ça, UK, c'est de l'anglais sûrement. Ouais, c'est de l'anglais, voilà. Donc ils ont fait qu'un seul livre pour les trois langues, voilà, ça évite d'imprimer. Pour chaque langue, ils y vont à l'économie de toute façon chez Bergère de France et c'est tout à fait normal. Voilà. Donc je vais vous montrer également dans la toute prochaine vidéo les modèles qu'il y a dedans. Donc il y a les modèles pour hommes, il y a des modèles pour enfants, je crois. Je ne sais plus. Enfin, il y a des accessoires, il y a des belles choses, faciles. Voilà, donc c'est pas un catalogue très compliqué, même pour les débutants. Donc ça, je vais vous le montrer tout de suite après la prochaine vidéo pour vous montrer les autres modèles. Donc voilà, c'était ma petite, mon petit haul Bergère de France. Donc il y en aura un prochain rapidement, j'espère. Et puis un autre pour Fil d'Art. Voilà, donc j'attends encore deux colis. Après, je me calme pour l'instant. Quand j'aurai déjà tricoté tout ça, bah, il y aura déjà un petit moment de passé. Bon, en janvier, il y aura les soldes. Hein. Mais bon, d'ici là, on verra. Ou alors, bon, on verra peut-être pour l'été, faire des petites choses pour l'été, dans ce cas-là. Donc voilà, je vous remets à la fin, si j'oublie pas, les photos des deux pulls que je vais faire à Chouchou, en sachant qu'il y en a un qui ne sera pas fait avec des rayures, mais il sera fait uni. Mais ça vous permet de voir la forme qu'il aura. Voilà. Et maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Et courez vite donc dans la boutique sur le site internet pour profiter des promos pendant ce Black Friday. Voilà. Allez, à bientôt, bisous bisous, et n'oubliez pas que juste après, il y aura une vidéo pour voir tous les modèles du catalogue. Bisous bisous.